Il est 19 h, vous regardez bien le Big Game of Ski du jour. Parfois, moi, je trouve la vie, c'est comme une poignée de flyers. Tu les regardes, les flyers, ils ont l'air bien. Le titre, il est en gros et tout, on sait de quoi ça parle. Tu as visuellement quand même quelque chose qui donne envie de t'échapper de ces mornes quotidiens et de ce train-train qui nous rend tous plus ou moins idiots et esclaves de cette société injuste. Juste, faudrait une ponctuation que je puisse respirer. Mais, donc, du coup, bah oui, le flyer de Skylancer est très, 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 très beau. Et tu te doutes donc qu'aujourd'hui, on va parler d'un shmup. Et tu as parfaitement raison. Ceci dit, Skylancer date de 1983, donc là ça resitue un petit peu les choses. Si on avait plus de 16 couleurs à l'écran déjà, on avait du bol, grosso merdo. De surcroît, les périodes pré-85 dans le shmup ont ceci de très dur, c'est que la jouabilité c'était quand même assez hasardeux d'un titre à l'autre. Est-ce que ça va être le cas pour Skylancer? Bah, on va le savoir assez rapidement, je pense. Alors, ce titre, je dois vous avouer un truc quand même. Si je vais être honnête, voilà, où cette intro. En fait, c'est que j'ai lancé et j'ai regardé juste ça. J'ai pas osé l'essayer parce que je suis parti dans un fou rire. Mais regardons cette démo. Oui, le plus dur, c'est de pas rigoler en fait. Je vais vraiment devoir jouer à ça. Non, non, mais non. Donc faut retenir, tu restes au milieu de l'écran et surtout tu ne bouges pas. Parce que après ça devient risqué quoi. Donc du coup, en voyant la démo, je me demande si on peut se déplacer de gauche à droite. C'est ma grande interrogation sur ce titre. Parce que là, je commence carrément à avoir le doute, vous voyez. Le gars monte, le gars descend, clairement, oui. Ah, il a bougé un peu à gauche. Ah, c'est peut-être l'animation quand il se retourne, ça le décale de 4 pixels, va savoir. Vous êtes comme moi, vous n'en pouvez plus, il faut que ce mystère soit élucidé. Allez, montez tous dans la voiture, Scooby-Doo, tu viens aussi. Youhou! Oh là là, j'ai trop envie d'y aller. J'espère que vous avez le gros son qui tue. Je confirme. Je confirme. Je confirme vraiment. Je suis coincé au milieu de l'écran, je ne peux pas en sortir. J'ai l'impression d'être. Je sais pas ce que je suis, mais j'ai pas l'impression d'être. Bah oui, mais. Game over, il y avait une seule vie. Non, attends, faut que je m'en remette déjà. Let's play, attends, 2 secondes. 2 secondes, je peux pas là, je peux pas. Ça veut dire que t'as un bonhomme pour faire tout le jeu. Seriously? Il faut qu'on élucide ce deuxième mystère mystérieux. Scooby-Doo, monte, allez hop! On y retourne. Oh purée. Heureusement qu'il y a une belle scène d'intro. Je pourrais pas avoir et on continue, ce serait plus simple. Plus d'ennuis comme ça. Va-t'en. Alors ça tu fais gaffe, voilà, ça tu fais gaffe, ça tu fais gaffe, ça tu fais gaffe. Et maintenant t'imagines ce qui arrive. Tu l'as pris dans la gueule. Non, 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 je peux pas faire voir plus loin dans le jeu. Faudrait que je l'apprenne par cœur. Mon Dieu, ce jeu est d'une connerie. On va se remettre le visuel, parce qu'on est proche des 5 minutes que je me suis promis de vous streamer sur chaque jeu. Mais voilà. Ah, j'écrirai contre le mur en lettres de sang, Skylancer m'a tué ER. C'est. Il porte bien son âge, 1983. Manque de bol pour lui. D'autres boîtes avaient développé d'autres jeux autrement plus jouables. Et on avait compris que l'idée, quand même, c'est de laisser au moins l'espoir aux joueurs de pouvoir avancer dans le jeu.
Ce qui là, apparemment, n'a pas trop été assimilé, hein, si on a bien regardé. Le jeu à une vie, on ne me l'avait jamais fait. Je trouve ça grandiose. Donc, les mecs qui viennent frimer sur Bloodborne maintenant, vous saurez quoi leur dire. Ouais, t'as fait ton cake sur Bloodborne, mais vas-y, finis Skylancer maintenant. Et vous leur balancez ça dans les pattes. Je pense que vous allez passer un bon moment de rigolade vous aussi. Je vous laisse avec les streams habituels, la playlist généraliste, la playlist des shmups. Et un stream bonus complètement débile pour aller avec. À demain 19h, ciao.